Bonjour à tous, c'est Laurence de l'atelier Scrap Émotion. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une page simple à intermédiaire de ce Cabana 2024, à savoir la page que j'ai intitulée Folle à terre, hein, puisque ces photos étaient prises dans la réserve des Folles à terre juste au-dessus de chez moi. J'y vais dès que je peux, je trouve ça magnifique et j'ai voulu mettre à l'honneur ces photos-là au travers de cette nouvelle création. Avant de découvrir cette création, on va voir un petit peu le matériel que j'ai utilisé pour la travailler. Tout d'abord, notre gabarit Monaco 1 qui est la vedette de ce cabana. Donc voilà, ici le gabarit Monaco numéro 1, évidemment. Il y a deux planches dans ce set de duo de gabarit 30-30. Ensuite, j'ai travaillé avec des couleurs de page lin, lichen, caramel et blanc, parce que le blanc m'a servi à la technique que j'ai utilisée sur cette page, donc la création des papiers de fond que vous voyez ici, papiers de fond qui ont été créés avec les encres d'Aizink en pâte, brou de noix, cire, miel, verveine et thé. Cette création de papier a été réalisée avec les applicateurs mousse, avec la feuille Teflon et différents tamponnages, notamment des motifs de notre Cabana 2024, le thème arcade, avec ces deux motifs qui ont été utilisés pour la création de mon fond. Au niveau des encres utilisées sur ce projet, les encres normales pour les aplats d'encre, donc du sous-bois, caramel, orchidée et noir. De l'encre Stezone noire pour différents tamponnages. J'ai encore utilisé du ruban satin vert pâle qui est là. J'ai utilisé pour la décoration de ma page tout d'abord l'Imark Go, cette petite imprimante toute petite qui tient dans cette petite boîte et qu'on contrôle à l'aide d'une application qui est installée sur mon téléphone et bien sûr sa règle de positionnement. Au niveau de la déco, toujours la matrice de découpe arcade qui est là, le mini tampon arcade et différents petits éléments, les stickers contours, les perles sous-bois, les stickers contours standard brown et des petites figurines silhouettes étamines pour compléter la déco de cette page. On va bien sûr la regarder ensemble. C'est une page à trois feuillets. Un feuillet aimanté, un feuillet articulé, pardon, enfin deux feuillets et une page. Et bien sûr, le fond de page. Alors ici, notre premier feuillet qui supporte la déco de la page. Voilà, on va voir à l'intérieur. On va pouvoir le désaimanter pour découvrir qu'à l'arrière, on a également une photo. Ensuite, on a un feuillet pivotant qui est bien sûr fixé grâce à une attache parisienne. Voilà, on a une photo qui déborde de notre feuillet. On va pouvoir coulisser cette partie-là et découvrir le dessous de la composition. Une petite décoration comme j'aime les faire avec différents éléments. Voici donc ma page simple à intermédiaire Folle à terre. Vous pourrez très très rapidement l'obtenir sur ma plateforme de formation. Toutes les infos concernant cette page sont dans la description en bas de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre création. Bye bye!